commencé à écrire ce livre ou de faire des recherches il y a 3 ans. La bataille des Ardennes était la plus grande bataille dans l'Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était énorme, avec 1,5 million d'hommes des deux côtés qui se luttaient. Mais pour moi, la fascination, c'était un peu comme la bataille de Stalingrad, mais à l'Ouest, avec la neige, avec des températures de -25 degrés, et surtout la sauvagerie du front de l'Est qui est arrivée en l'Europe de l'Ouest. Et on voyait la façon que Hitler avait ordonné à ses troupes d'élite, surtout le Waffen-SS, d'attaquer à l'outrance, d'utiliser de la brutalité, de la cruauté pour créer la panique, de semer la panique parmi les Américains. Mais, encore une fois, ça n'avait pas vraiment marché, parce que bien que beaucoup d'Américains ont fouillé tout de suite, il y en avait assez qui s'est resté, qui avaient vraiment courageusement défendu quelques villages et carrefours. Et ça avait complètement détruit le plan allemand d'arriver à la Meuse, de traverser la Meuse et de tourner vers le nord, de prendre Bruxelles et Anvers. Donc, ce plan a échoué, avec des résultats catastrophiques, bien sûr, pour l'armée allemande. Et l'armée rouge, qui attaquait le mois de janvier, au milieu du mois de janvier, pouvait avancer de la Vistule jusqu'à l'Oder, près de Berlin, en moins de 2 semaines. Mais vous trouverez que les historiens russes n'admettraient pas ça, parce que pour eux, c'était l'armée rouge qui a gagné toute la Seconde Guerre mondiale. Cette année même, on a vu le 9 mai à Moscou que c'était Poutine qui disait « Ah, la victoire appartenait uniquement à l'armée rouge ». Mais ils ont sous-estimé vraiment la contribution des Américains. Mais le problème avec cette bataille, et je vais voir le mois de novembre quand ce livre sort aux États-Unis, les troupes américaines et aussi le général étaient prêts à vraiment prendre des représailles contre les Allemands, c'est-à-dire le massacre des prisonniers s'est trouvé des deux côtés. Les Allemands avaient commencé, surtout le Waffen-SS, en tuant des villageois, les Belges et aussi, bien sûr, les prisonniers américains. Et les Américains avaient pris leur revanche. Et ça, c'est pourquoi, bien sûr, c'est une bataille assez controversée de cette façon. Mais je crois qu'on va avoir, avec la souffrance surtout des civils belges, que c'était comme pas mal d'autres, un peu comme les Normands pendant la bataille de Normandie, c'était toujours la souffrance des civils qui a vraiment continué après la guerre, avec la destruction des fermes, avec la terre qui a été empoisonnée par la phosphore blanche des obus américains. Et donc, même la paix n'amenait pas vraiment l'apaisement ou le soulagement, si vous voulez, des communautés rurales en Belgique. Mais le livre est sorti maintenant en France et aussi dans pas mal d'autres pays, je crois à peu près une 20aine de pays.